Je vois que tu as ouvert la malle à souvenirs de la mine. Des souvenirs? Tu viens de rouvrir un sacré morceau de mon passé. Papy, raconte-moi. Peut-être que... ces quelques pages vont nous occuper un moment. Fin du 19e siècle, on mène une vie paysanne dans la commune de Bouligny, avec ses 318 habitants. Ici, on cultive les blés, l'avoine, on vit de la forêt et on élève quelques animaux. Les fermes lorraines, avec leurs traditionnelles portes de grange, accueillent les hautes voitures de fourrage. Le clocher datant de 1677 rythme la vie des habitants, avec un calendrier qui déroule lentement les saisons et le travail des hommes de la terre. Bientôt, les habitants vont voir des chevalements surgir de terre. Sous leurs pieds se cache un véritable trésor. En 1898, on découvre un incroyable gisement de minerai de fer sous Bouligny. Très rapidement, des concessions minières se mettent en place pour l'exploiter. Les employés sont embauchés dans les environs. Quelques années plus tard, c'est le début d'une gigantesque exploitation à 280 mètres de profondeur. Le minerai permet d'approvisionner des hauts fourneaux en France comme à Longwy, Réan, mais aussi en Belgique et en Allemagne. Pour faire face à la demande croissante en minerai, il est nécessaire d'avoir de la main-d'œuvre supplémentaire. Des populations vont venir d'Italie, de Pologne, d'Europe de l'Est, ainsi que d'Afrique du Nord. C'est la grande histoire d'une immigration. Mon père, il est en Pologne, bon, c'était des petites... après la guerre, c'était des petits agriculteurs, bon, ils avaient un art ou deux, bon, c'était comme pareil, hein. Il fallait nourrir là, la famille, il y avait pas de travail. Il y a eu des accords entre le gouvernement polonais et français pour aller chercher les travailleurs en Pologne. Donc, ils allaient là-bas avec le contrat de travail, ils avaient tous les papiers signés, ils prenaient le train, ils sont arrivés à Écrouves, où c'était le centre de tri de presque tout l'est de la France. Là, ils étaient sélectionnés pour les mines et tout ça. Et là, ils cherchaient les ouvriers à Toul, ils débarquaient à la gare à Barancourt. À Barancourt, ils descendaient, bon, ils venaient à pied, et les logements étaient attribués. Mon père, il arrivait au mois d'octobre 1928. Quand il est arrivé, c'était à Marseille, en bateau. Il a resté une semaine dans la rue, comme ça, sans rien, sans manger, parce qu'il n'avait personne. Après, il est descendu jusqu'à Paris. Et de Paris, il est revenu ici. Ses parents, ils étaient des cultivateurs et puis ils avaient plusieurs enfants. Hein. Ils étaient à 10. Mais il avait un frère ici qui travaillait déjà. Il y a un frère ici, chef de chez David. Si vous voulez descendre au fond, oui, oui, j'aime chef. Oui, oui. Il descendait. Moi-même, mon frère Jeannot, moi-même et Roger, on est nés à Joudreville. C'est Bouligny, mais cité de Joudreville. Bouligny s'étend sur trois municipalités. Joudreville, la moitié de Joudreville est dépendante de la mairie de Joudreville-Village, et la moitié sur Bouligny, la Mourière également, la moitié sur Pienne, et la moitié sur Bouligny. Et Bouligny, ici, à Mermont, c'est Bouligny encore. Ah, c'est bien étendu. Dans le bassin ferrifère, il y avait plus de 50 puits de mines. Nous, ici, dans le bassin de Brié, en Meuse, il n'y avait que deux puits de mine, en Meuse, Bouligny et Joudreville, où j'ai travaillé moi-même. Moi, je suis né en 41, là. Mais j'ai un frère qui est né en 40, à la rue Saint-Rémy, là, c'est le bloc au-dessus. Et ils ont été évacués au mois d'avril
fin avril, quand les Allemands sont arrivés. Ils ont été évacués dans le midi, dans les mines de charbon à Alès. Ben, ils n'avaient pas mangé, puis ils sont rentrés au mois de février. Ils arrivent à la ligne de démarcation, en France, du côté de Dijon. Le train s'est arrêté, les SS sont montés, ils disent « Où c'est que vous allez ? D'où c'est que vous revenez ?» Et il y avait le voisin, il y a un Yougoslave qui habitait à côté de chez nous, là, au 74, il parlait allemand. Il dit « Nous, on rentre, on était évacués, on rentre travailler dans les mines de fer en Lorraine. » Très bien, pour l'effort de guerre. Ils nous ont laissé passer pour rentrer à Barancourt. Sans ça, ils étaient dirigés sur les travaux en Allemagne, je ne sais pas. C'est encore un miracle. Ils sont rentrés à la rue Saint-Rémy, il n'y avait plus rien, il fallait qu'ils recommencent. Après, il y a eu des logements qui étaient attribués suite à l'évacuation, puis on est venu au 75 à la rue Germont. En moins de 10 ans, la population de Bouligny est passée de 300 habitants, donc le village, environ 300 habitants en 1900, et vers 1910 à 2660 habitants. Ce qui nous montre effectivement l'importance de loger cette main-d'œuvre arrivée de l'étranger. Donc il a fallu effectivement construire très rapidement les cités. Pour la mine de la MAD, la mine d'Amermont-Domarie, on les a construites, ces cités étaient construites le long de la route départementale. À Joudreville, pour la mine de Joudreville, les cités elles ont été construites, disons, en plein champ, sur une hauteur qu'on appelle aujourd'hui Joudreville-la-Côte. Pour les cités de la Mourière, alors le problème est plus compliqué, le puits n'était pas sur la commune de Bouligny. Le puits était sur la Mourière, Meurthe-et-Moselle, mais des cités ont été construites sur le territoire de la commune de Bouligny. Les mines ne se préoccupaient pas du tout des limites départementales. Il y a toujours eu un problème de surpeuplement, je dirais, au niveau, entre guillemets, des cités. Bouligny devient une commune éclatée avec un village traditionnel et puis des cités. À proximité des sites de production, on a l'impression de deux mondes, de la juxtaposition de deux mondes, un monde rural traditionnel et puis un nouveau monde, un monde ouvrier, une nouvelle société dont la vie va être rythmée par les cadences et les sirènes de la mine. Deux mondes qui vont avoir d'ailleurs deux destinées différentes. On devenait mineur comme le breton devient marin-pêcheur. Nous ici, il n'y avait pas d'autre industrie que la mine et les usines sidérurgiques à Longwy, à proximité pour le transport du minerai, quoi. Mais on était à l'école primaire là, pendant jusqu'à 15 ans, puis on a passé un petit concours pour rentrer à la mine. Parce qu'ils en prenaient tous les ans une dizaine, 11, 12, avec Joudreville et nous. Donc on faisait des cours de théorie. C'était comme au lycée. Géométrie, algèbre, beaucoup de sport, beaucoup de français. Au centre d'apprentissage, en troisième et quatrième année, on descendait au fond de 6 heures donc le matin, de 6 heures à 11 heures, on remontait et l'après-midi, on retournait au centre pour les différents cours. Le mineur qui tire l'abattage. Il fait tomber les pierres. Il y a deux ouvriers par le mineur. Pour remplir les wagons. Il y a rempli les wagons. Oui, au début, c'était à la main. Ouais, à la main. Il y a les mineurs. Les mineurs, celui qui tire la mine. Et nous, il charge les wagons. Deux manœuvres à mineur. Arriver à charger 20, nous à la mine où je travaillais, 20, 22 wagons de 1 tonne 5. C'est pas des feignants. Hein, à partir des années 50, ça a été industrialisé, les machines sont arrivées. On a commencé au bas de gamme, hein. On était accrocheurs. Au début, les jeunes, avant l'armée, ils mettaient accrocheurs. Ils s'occupaient pour faire les aiguillages, ils accrochaient les wagons, ils comptaient les wagons. Voilà, puis on n'avait pas de place. On faisait les bouches-trous. Des fois, on restait là, comme les dockers. Ben, prends-le. Je veux pas, parce que je veux pas gagner beaucoup. Puis à force, j'ai une place
Je rentrais au chargement, voilà, puis tout doucement. En dernier, on aurait pu descendre à Bouligny et sortir à Hayange, par le fond, par les galeries. Hein. Mais nous, on allait déjà loin. Je descendais à Joudreville, je passais donc à proximité des puits de la Mourrière, puisqu'elle était fermée, et on a repris l'exploitation. On allait jusqu'à Mercy-le-Bas, vous vous rendez compte, sous la terre. Mais alors là, le gros inconvénient, c'est qu'on était on souffrait de l'aérage. Parce que l'air pulsé pour arriver jusque là-bas, c'était pas évident. Hein. Alors on subissait les fumées du tir, le nitrate fuel, l'explosif c'était du nitrate fuel, donc il faisait beaucoup de fumée, et je vous dis franchement que c'était dur. Il faut savoir que quand on est jeune, on fait de temps en temps des petites bêtises, comme on dit. Et papa travaillait au fond. Alors quand il descendait au fond, il prenait ensuite le train et faisait parfois plus de 10 km au fond pour aller rejoindre son chantier. Il suffisait parfois que je fasse une bêtise de gamin. À la cité, mon père savait ce qui s'était passé avant de remonter. C'était quand même extraordinaire. Donc c'est la raison pour laquelle, je dirais, Bouligny, c'était une grande famille. Et tout le monde se connaissait. Moi, je garde de très bons souvenirs d'enfance. On avait loisir à sortir. On allait à l'école, bon, on n'avait pas de bus, donc on allait à l'école à pied, on faisait des kilomètres pour aller à l'école à pied, hein, il n'y avait pas de souci. On s'amusait quand c'était l'hiver, il y avait une mare et on faisait glisser nos sacs sur la mare quand il y avait la bonne épaisseur de glace et tout. On arrivait à l'école, on était trempés, mais c'était pas grave. Bon, les hivers étaient beaucoup plus rigoureux qu'aujourd'hui. Hein, puisqu'on avait des moins 20, moins 25. Et donc, moi, je me rappelle, ma maman, elle nous tricotait des chaussettes avec de la grosse laine et qu'on mettait au-dessus des chaussures, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas de bottes, on n'avait pas de choses comme ça. Hein. Le métier de mineur était très difficile et dangereux. À Bouligny, la mine était même surnommée la mine rouge, suite au grand nombre de tués. Des blessés, il y en a eu. On avait plus de 130 tués à la mine ici. C'était une mine profonde, c'était la plus profonde du bassin. Parce que la couche, elle descend. Le plaquage qui tombe ou coincé contre des doigts coupés ou un pied coupé. Beaucoup d'amis ont perdu leur père à la mine. Et ça marque énormément. Papa a eu également un accident. J'étais jeune quand il s'est pris un bloc sur le dos. Donc j'ai vu partir l'ambulance du carreau de la mine. Et ça, c'est quelque chose qui marque à vie. Quand vous savez que votre père a eu un accident, vous ne savez pas dans quel état il est. Et donc il a eu côte cassée, etc. Mais il a été bien soigné et puis ça s'est heureusement bien passé. Dès qu'il descendait à la mine ou quoi, bon, les femmes de mineurs, on vivait plus. Hein. Dès qu'on entendait la sirène, on se disait ça y est, voilà. Et mon mari a été très fortement blessé avant qu'on se marie. Et il a été électrocuté parce qu'il était en train de travailler sur un engin, sur un poste électrique. Et son collègue de boulot a remis le disjoncteur trop tôt. Donc il a été électrocuté et il a été mort quelque temps. C'est monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est monsieur Samsor, et qui l'a réanimé avec difficulté. Et en définitive, bon, il a été sauvé, mais il a perdu un doigt, il a eu une greffe à la main, enfin bref. Une fois comme ça, il était revenu, il était rentré, et il était traumatisé parce que
Il a son collègue de travail, parce qu'il travaille à plusieurs, bien sûr. Hein. Et ben, il avait pris un bloc et il était décédé, quoi. Ouais, ben oui, c'était. Alors donc après, même quand les mineurs redescendaient au fond de la mine, il fallait vraiment qu'ils aient le comment l'influx pour descendre, parce qu'ils savaient pas s'ils pouvaient remonter ou quoi. La solidarité était très forte entre les différentes nationalités. Les mineurs ont vécu le même parcours et le travail dur à la mine les réunissait. C'est vrai, ils se parlaient, mais bon, chacun il parlait à sa religion, ses langages, quoi. Bam, un était comme ça, l'autre était comme ça, mais ils se comprenaient quand même. Ah non, il y a les Polonais, les Italiens, il y en a beaucoup. Comme moi, ils ne parlent pas le français bien. Hein. Avec ma voisine, quand on était, lui partait au lit, et puis moi je descendais avec elle, on discutait, on se faisait des omelettes. À 1h du matin. Les beignets polonais. Bon, ouais, les beignets polonais. On se prenait à faire comme ils font les pâtes, tout ça. C'était bien entre nous. Mon père, il parlait très mal le français. Parce que c'était cosmopolite. Et il arrivait à s'exprimer en italien avec tous ses copains et tout et tout. Il allait taper sa partie de carte, la scopa. Au bistrot et tout, avec ses copains italiens et même polonais. On était tous copains, quoi. On était exposés au même danger, on faisait le même travail et tout, donc il n'y avait pas d'animosité aucune. Les patrons des mines se plaignaient de l'instabilité de la main-d'œuvre. C'était fréquent, en fait, de travailler deux jours à la mine et puis ensuite on partait ailleurs tenter sa chance. Donc offrir à cette main-d'œuvre une cité et un jardin, ça a été un moyen pour les mines de fixer la main-d'œuvre, de la stabiliser. De l'inviter à faire venir la famille d'Italie ou à fonder une famille. Et ces cités-jardins, ce sont des maisons jumelles ou jumelées et de longs potagers. Le potager qui devait servir à nourrir la famille et qui permettait aussi de limiter les augmentations de salaire. Malgré les difficultés que les pavants pouvaient avoir parce que les salaires n'étaient pas mirobolants, mais à côté de ça, on n'a jamais manqué ni d'alimentation, ni d'habillement, parce que ma maman faisait tout. Et au niveau alimentation, à côté, ils assuraient, mon papa assurait l'intendance aussi, en faisant le jardin, les champs, l'élevage de bêtes. Chacun avait son jardin. On avait le jardin derrière la maison, en cultivé. Ben, il y avait les pommes de terre, il y avait les animaux. On avait des poules, des lapins. Un cochon, quand tu es là au mois de février, il y avait des mineurs, ils nous venaient tuer le cochon, ils faisaient la saucisse, on appelait la rue des oies. Chaque famille polonaise élevait des oies, 6, 7, 8. Ils étaient là sur le champ, tout blanc. Huit nationalités. Il y avait des Français, bon, des Polonais, des Italiens, des Yougoslaves, un Yougoslave, un ou deux Tchèques, il y avait un Hongrois, il y avait un Algérien ou deux, là, je me rappelle, ils habitaient en face, il y avait des Ukrainiens, et après la guerre, bon, on s'est marié avec des Italiens, ou Italiens avec une Polonaise, un Français avec... ça s'est décompté. Dans les deux corons, ils étaient à peu près 7-8 par famille. On pouvait compter 60 gosses sur... 100 mètres. Mais l'immigration, ça a toujours été. Quand on regarde l'histoire depuis Clovis, hein, on va, on vient, on reste.
Bon, les immigrés, ils ont fait toute la Lorraine. Et ils ont fait l'histoire de la Lorraine. Et les enfants, ils ont continué. Après, au début, on allait à la mine. Tous les enfants allaient à la mine. Et après, dans les années 55, il y en a qui ont été au lycée. Ils sont devenus professeurs. Il y a eu des docteurs, des ingénieurs, mais avec des sacrifices des parents. Ils se saignaient aux quatre veines pour... on a eu des docteurs, des ingénieurs. Les mineurs n'avaient pas de gros revenus, donc les vacances étaient rares par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Et il faut savoir que Bouligny est jumelé avec la ville de Gröditz en Allemagne aujourd'hui, mais qui était avant la RDA, l'Allemagne de l'Est. Et il y avait un partenariat. Et la commune de Bouligny envoyait les jeunes en colonie de vacances en Allemagne de l'Est et on passait le rideau de fer. Donc ça ne se faisait que dans un sens, c'est-à-dire que eux ne pouvaient pas venir sur Bouligny, mais chaque année nous partions en Allemagne de l'Est en colonie de vacances et ça durait à chaque fois 3 semaines. Où on a passé, justement, avec tous les jeunes de Bouligny, des moments formidables. C'était nos vacances. On travaillait à la mine, on remontait à 10 heures le soir et on posait la musette, on allait encore s'amuser pour vous dire que l'ambiance était bonne. Hein. Il y avait un bistrot tous les 100 mètres. Hein. Tu allais boire un café, il allait jouer les boules. Vous savez, les boules, les qui? Il y a les boules, celles-là par... Tous les mineurs de la mine. De la mine, hein, qui se connaissaient entre eux. Quoi. Alors, au niveau de la Sainte-Barbe, alors là, c'était épique parce que... Mon mari, avec ses copains, au moment de la Sainte-Barbe, déjà, il fêtait bien Sainte-Barbe au fond de la mine. Et quand ils remontaient, ils se changeaient. Et ils étaient à 5 ou 6, ils faisaient le tour de toutes des maisons. Donc, ils mangeaient, ils buvaient. Et quand des fois, bon, ils venaient que... Bon, on n'habitait pas ici, hein, mais ils repassaient par chez nous. Oh là 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 là. Il ne fallait pas aller voir l'état des toilettes quand ils repartaient, parce que c'était une horreur. Ils étaient fins, sous, fins malades, mais ce n'était pas grave. Ils repartaient et voilà. Donc, c'était vraiment... mais c'était leur journée à eux. Donc, c'était le moment où... Ils s'éclataient, ils oubliaient tout leurs difficultés, la rigueur du travail, le danger et tout. On montait ramener les bouteilles de champagne, les gâteaux, tout la table. Au fond de la mine, on faisait la Sainte-Barbe. On arrêtait à 10h le poste du matin ou à 18h le poste du soir. Chacun amenait... du vin, bon, on n'avait pas le droit, mais on amenait un petit peu. On amenait un peu gâteau, un petit peu à manger. Voilà, on faisait un petit, comme un pique-nique. On arrêtait à 6 heures, des fois même un peu avant. À chaque chambar, chaque quartier, toute la mine arrêtait, nous, c'était comme ça au fond. On amenait nos victuailles. Bon, il y avait les oranges, il y avait un gâteau. Et après, on a fait des brochettes. Au quotidien, c'était l'école locale, c'était des associations sportives. Il y avait toutes sortes sur Bouligny. Il y avait handball, il y avait football, il y avait beaucoup d'associations. Donc après, chacun faisait ce qu'il avait, mais on ne manquait de rien. Il y avait vraiment tout ce qu'il fallait. Joudreville, Bouligny, c'était en quelque sorte une grande famille. Tout le monde se connaissait. Tout le monde, il y avait une grande solidarité. Le sport, oui, le foot, hein, le foot. Déjà au centre d'apprentissage, on faisait beaucoup de sport aussi. Hein. Ah, il fallait entretenir le corps et il fallait être costaud pour travailler à la mine. Hein.
Les deux clubs, ça se présentait. Il y avait USO Joudreville, Union Sportive Ouvrière de Joudreville, et il y avait le RCB, Racing Club Bouligny. Le RCB était géré par la mine de Bouligny, et l'USOJ, c'était les ouvriers. Mais le foot, c'était le foot, au moins, et le basket. Il y a quand même, il y avait... Si tu faisais pas ça, t'avais du mal à t'imposer dans quelque chose. Hein. Moi, je vais vous dire un truc. Quand on a su qu'on montait en promotion d'honneur, mais c'était une fête incroyable. Parce que ça faisait plus de 20 ans qu'ils n'étaient pas remontés en promotion d'honneur, je crois. Quand on voit tous ceux qui ont réussi, c'est quand même tous des noms qui terminent par I, hein, des Piantoni, des Kuzowski. Donc, les étrangers, que ce soit polonais, italiens, hein, ils ont apporté quand même quelque chose dans le sport. Hein. Mais à savoir que Joudreville, c'était Joudreville, les jaunes et noirs, et ici, c'était les rouges et noirs, hein, c'est ça qui jouait. Hein. C'était énorme la différence. À Bouligny, un peu de temps pour observer les cités. Et on en tire, je dirais, un maximum d'enseignements. La première forme de bâti est celui de longs alignements le long de la route, en rang parallèle. On s'aperçoit qu'il y a une variété de frises en briques, de formes, je dirais aussi de couleurs et de lignes, ce qui fait qu'aucune ne ressemble à la voisine, alors qu'au départ, on a l'impression qu'elles sont toutes semblables. Ici, nous sommes aux portes de la mine, et de ce côté, on peut admirer un bâtiment, je dirais, imposant, qui est le bâtiment des bureaux de la mine d'Amermont-d'Aumarie. Alors, à ce sujet, je crois qu'il est bon de rappeler que la mine d'Amermont-d'Aumarie était la première mine de fer en Lorraine en 1928. Alors ici, les chemins se séparent. D'un côté, les quartiers ouvriers, de l'autre côté, le quartier des cadres et des employés. L'école bleue, l'école blanche. Ici, on est dans le quartier des grandes grilles et des petites grilles. Vous voyez, là encore, il y a une différenciation entre les grandes grilles qui sont les maisons des cadres, ingénieurs, docteurs, chefs comptables de la mine, et les petites grilles qui sont les maisons des employés de la mine. J'ai intégré l'école ménagère. Donc l'école ménagère, j'ai eu l'enseignement de 14 ans à 17 ans. Donc à l'école ménagère, on faisait tout ce qui était l'enseignement pour devenir une bonne épouse. C'est-à-dire qu'on faisait quand même de l'enseignement général, de la législation, du français, des maths, etc. Mais à côté, le plus gros point, c'était d'apprendre à être donc une parfaite femme de mineur, enfin, une épouse parfaite. Et donc là, on avait l'enseignement pour faire de la couture, la broderie, comment tenir une maison,
la puériculture, s'occuper des enfants, voilà, tout un enseignement pour avoir une vie de famille bien remplie. D'ailleurs, pour la petite anecdote, au niveau de ça m'avait marqué, elle nous apprenait comment il fallait tenir un balai pour pouvoir balayer dans le bon sens. Alors ça m'a marqué. J'ai dit, c'est pas possible. Jusque-là, ils allaient pointer le comment vraiment la particularité d'être une bonne femme de maison. Bouligny a écrit sa page dans le grand livre de la résistance et des luttes ouvrières. Les différentes nationalités ont construit ici une histoire commune. Que l'exemple du jeune Roland Cremona nous rappelle avec émotion l'engagement, l'attachement à la France et à la liberté des Boulinéens entrés dans la résistance, hommes et femmes de l'ombre et du courage. Je m'appelle Roland Cremona. Je suis né le 25 juillet 1925. Je suis l'aîné de la famille, j'habite à Bouligny, une cité minière en Meuse, aux 26 rues du Maréchal Pétain, aujourd'hui connue comme la rue de la Libération. Le 23 juin 1941, je pars sans rien dire à ma famille. J'ai décidé de rejoindre le général de Gaulle, mais je ne sais pas comment faire. Va-t-on me prendre au sérieux, moi qui n'ai que 16 ans ? Je vous donne régulièrement des nouvelles. Tu vois, il va bien. Mais je mens pour vous protéger. Fin mars 1942, je suis revenu 2 jours à la maison. J'ai tout révélé à mon père. Mes parents m'ont alors demandé de poser pour une photo. Donne-nous des nouvelles. Il faut y aller maintenant. Peu de temps après, je me suis fait prendre à Biarritz alors que je voulais rejoindre l'Espagne. J'ai été balancé. Je portais sur moi les plans du front de l'Atlantique. Heureusement, je n'ai pas été fusillé sur place. Le 19 décembre 1942, j'ai été déporté comme prisonnier, considéré comme dangereux politiquement et particulièrement maltraité dans plusieurs camps en Allemagne. Le bruit court que les Américains arrivent. Bientôt, tout cela s'arrêtera. Mais je suis amaigri, de plus en plus faible. Heureusement, la solidarité est forte entre prisonniers et ils comptent sur moi. Ils disent que par ma détermination, je suis un exemple pour eux, malgré mon jeune âge. Encore quelques efforts. Les Américains sont bientôt là, si je rentre avant toi. Ce n'est pas la peine, Luc. Je vais tenir. Je pensais pouvoir tenir, mais je me suis éteint le 15 octobre 1944 à l'âge de 19 ans. J'aurais aimé revoir une dernière fois ma famille. Mais grâce à mon sacrifice, ils seront bientôt libres. La mine est aussi un monde de résistance et de combat, où les travailleurs se lèvent pour faire entendre leur voix, défendre leur métier et leur droit au travail. C'est aussi une colère ouvrière qui crie et revendique le droit de vivre et travailler en Lorraine. Après, en 1951, ils ont occupé le fond au mois de mars, pendant 3 semaines, pour les conditions de travail, pour améliorer les... Voilà, c'était comme ça. On a occupé le fond et on a amené les casse-croûtes au carreau de la mine, devant la cage, et ils descendaient la musette avec le casse-croûte tous les jours. Ils étaient là, il y en a qui jouent à la belote, j'ai les photos, à la Schkop. Ils ont fait une messe au fond, il y avait des concours de pétanque. Ils ont fait un combat de boxe, l'Italien contre un Polonais. Il y avait un bal, il y avait l'accordéoniste qui est descendu, M. Cognier. Mais en 63 aussi, il y avait la grève. Quand les mineurs sont montés à Paris, et la fameuse montée des mineurs à Paris en 63, il y avait la grève aussi, en 63-67, des grandes grèves, 68. En 84, on a fait la grande grève, quand c'était déjà la période, ça commençait à les fermetures. Je me souviendrai d'une manif à Paris où les Parisiens s'étaient regroupés, c'était sur les grands boulevards, ils étaient regroupés à droite et à gauche des grands boulevards et ils applaudissaient les mineurs. Parce que le mineur représente sans doute encore celui qui travaillait au fond, un métier pénible, un métier dangereux, un métier difficile. On chantait le chiffon rouge de Michel Figuin. Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge, une fleur couleur de sang. Si tu veux vraiment que ça bouge et que ça change, lève-toi car il est temps. Tu crevais de faim dans ta misère, tu vendais tes bras pour un morceau de pain, mais ne crains plus rien. Bon, chanter aux manifs,
Et sous Mitterrand, on n'avait pas le droit de la chanter avant. Après, on a essayé. Quand on allait à la messe, partout, voilà, c'était le chant des... à nous. C'est des souvenirs qui restent. C'est pour ça qu'on est toujours attaché à la mine, à tout ce qui était nos origines et puis tout ce qu'on avait vécu, parce que c'est vraiment notre ancrage, notre terre, quoi. C'est tout ce qui se rapporte. On peut pas oublier ça, c'est pas possible. Les jeunes d'aujourd'hui ne vivent pas dans le même monde que nous, donc il y a plein de choses. Moi, je vois avec mes petits-enfants, je leur raconte beaucoup de choses. Mon mari leur racontait aussi. Eh ben, pour eux, c'est un petit peu comme si on était des extraterrestres. Ils s'imaginent pas qu'on ait pu vivre comme ça. Quand moi, je leur dis qu'on n'avait pas de salle de bain, on n'avait pas de chauffage dans la maison à part la principale pièce, et puis que si on allait se coucher, on avait le givre aux fenêtres, et qu'il fallait gratter la fenêtre à l'intérieur parce qu'on avait froid. Ils n'ont pas conscience de ça. Eux, ils sont dans un monde où tout est confort, hein, tout est à portée. Hein. Quand je leur dis même que... Au niveau du rien que de la salle de bain, je leur dis que moi on se lavait à tour de rôle au lavabo. Mon papa, quand il remontait de la mine, d'ailleurs, il se lavait dans une grande cuvette, dans une grande bassine. Ma maman lui frottait le dos, etc. Après, il fallait vider la bassine et qu'on allait aux douches communaux une fois par semaine, ça les choque un peu. Ils disent, oh, c'est pas vrai, tu racontes des bêtises, mais si. C'était comme ça, c'était... Et les toilettes, on avait les toilettes au fond du jardin. On n'avait pas les toilettes dans la maison. À l'époque de la fermeture des mines, à l'école, des élèves avaient fait des poèmes sur la fermeture. Elle s'appelait Fatna. Ma ville, ce n'est pas ma ville, c'est la mine. Le ciel, ce n'est pas le ciel, c'est l'horizon. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, ce sont des galeries. Ma ville, ce n'est pas ma ville, c'est l'exploitation du minerai. Je dirais que c'est assez triste, assez tragique, la fin des mines, parce que cette population enracinée, elle réclamait de continuer à vivre et à travailler au pays. Ces gens qui étaient venus, dont les grands-parents et les arrière-grands-parents étaient venus d'ailleurs, et ils se retrouvaient un petit peu avec la fermeture des mines, je dirais, des nouveaux déracinés, en fait. C'est une histoire, rapide, et je dirais qu'il y a une brutalité, une irruption du monde ouvrier, et puis une disparition très rapide. Et puis le village, je dirais que c'est une histoire plus lente, et le village, il est toujours là. Et c'est vrai que si on tourne les yeux vers le village, ben on retrouve des familles d'agriculteurs dont certains étaient déjà là bien au 19e et début du 20e. Mon père était de famille d'agriculteurs. Il est venu s'installer dans la région. Il était agriculteur. Et mes parents sont agriculteurs également. Ils font de la polyculture élevage. Donc ils ont des vaches pour consommation de viande et puis des céréales. Je me suis installé en 2013 ici. On a commencé notre activité en produisant de la fraise et de la tomate. Et au fil des années, on se diversifie puis on s'agrandit. Et on produit maintenant des œufs. Et on a des poules pondeuses. Les gros produits d'appel, les fraises, les tomates, et puis les produits d'été, donc poivrons, aubergines, concombres. Et puis après, il y a la salade, la mâche, donc les endives, les champignons depuis cette année. Et puis les haricots, les choux, les pommes de terre, les carottes, oignons. Nous, on vend tout en circuit court. Donc tout est vendu sur place, sur l'exploitation. Et aujourd'hui, les gens recherchent de plus en plus des légumes sains.
Donc notre exploitation est en conversion biologique. On va faire un nouvel espace de vente cette année pour pouvoir offrir nos produits, mais aussi des produits d'autres producteurs du secteur. C'est l'exploitation familiale qui date de mon grand-père. Il est arrivé sur place avant la Deuxième Guerre mondiale. Là, c'est l'exploitation qui fait 230 hectares, essentiellement céréales et un peu de vaches allaitantes. Mes enfants, ils sont là pour s'installer. Et donc, c'est pour ça qu'il y a le projet aussi de méthanisation. Il y a mes deux frères qui font partie du projet, plus un exploitant agricole qui est situé à Fléville. À 2-3 km. Et il y a 5 participants dans le projet, 5 exploitations qui participent au projet. Voilà. Et bien ça fonctionne comme un estomac, tout simplement. On ingère des aliments, alors que ça soit du maïs, de l'herbe ou pour la méthanisation du fumier. Une fois que c'est dans l'estomac, dans le hangar qui est fermé, qui est hermétique, ça va macérer. En macérant, ça va produire du gaz. Le gaz, il va ressortir par tout simplement un tuyau. Le tuyau va être raccordé à un moteur. Et le gaz va permettre de faire tourner le moteur. Et le moteur, en tournant, il va produire de l'électricité, justement, qu'on va raccorder au réseau EDF. Et en plus de ça, le moteur, il va aussi produire de l'eau chaude, en tournant, qui va chauffer un hangar pour pouvoir faire sécher aussi bien des céréales que des copeaux de bois, que de la paille, du foin, pour l'exploitation. Admettons, si on pouvait donner l'électricité à tous les habitants de Bouligny, je pense que le village de Bouligny serait autosuffisant avec l'unité de méthanisation en termes d'électricité. Ça permet de s'installer et puis de pouvoir, entre guillemets, voir l'avenir en famille et pas forcément être chacun de son côté. Ça sera lancé pour la fin de l'année. Donc je pense que pour le mois de novembre, on risquerait d'être en route. Essayez de repérer où se situait le centre d'apprentissage des mineurs à Bouligny. Mettez le livre au milieu pour que les toits puissent voir. On a des projets transdisciplinaires à partir de la mine. Moi, je suis parti sur le côté comment leur apprendre à mieux habiter à Bouligny, bah, tout simplement déjà en connaissant mieux la ville de Bouligny. La mousse, en fait, à l'intérieur, bah, oui, c'est la mousse de jus. Elle est déjà différente de celle du casque là. Elle est déjà différente de celle du casque là. Touchée, elle est plus solide, celle-là. Et celui-là, à mon avis, vu qu'il n'y avait pas de cordage, bah, si ça se posait sur la tête, et bah, c'était de 1 pour amortir. Et quand il y avait un bleu qui tombait sur la tête, c'était pour amortir et en même temps c'était pour le confort à l'intérieur du casque. Ils creusaient des galeries pour retirer le minerai de fer, la minette, entre parenthèses. On est en train de présenter des lampes, donc mon papy il avait celle-ci. Pour éclairer la mine. Avec ces mèches, on faisait des trous, on mettait des dynamites et pour le faire exploser, et après on obtenait du minerai de fer. C'est lourd. Ouais, c'est un peu lourd. Vers la place de la mine, il y avait une cage qui descendait dans la mine et les mineurs, ils descendaient. Et quand ils descendaient, c'était risqué parce que les pierres elles s'effondraient et donc tu pouvais mourir. Moi, je trouve que Bouligny c'est bien parce que par rapport aux autres villes il y a beaucoup d'espace vert. S'ils polluent moins les gens, ça serait bien. J'aime bien parce qu'il y a la campagne, il y a beaucoup de nature. Papy, c'était fantastique cette histoire. L'histoire n'est pas terminée. Je peux te faire découvrir une mine pas très loin d'ici. Vite, vite, allons-y, je veux voir ça. Voilà, Maud, on est à l'entrée de la mine, on va aller la visiter maintenant.
là-bas, dans le trou, c'était le marteau pour forer les trous avec les mèches de différentes tailles. L'autre barre, c'était pour faire tomber les blocs qui étaient au plafond et pour pas qu'on soit blessé. Et là, le gros bidon qui est là, c'était l'oxygène liquide. Ça fait quoi si on mélange ces deux bidons-là? Tu vois, là, le gros bidon, c'était l'oxygène liquide qu'on mettait dans le petit et avec les cartouches de dynamite pour faire exploser. Tu vois là, Maud, il y a un trou, ça sert à aller dans la couche qui est au-dessus. Il y a du minerai encore au-dessus, alors ça permettait d'aller en haut. Papy, c'est quoi cette machine? C'est une estacade, ça servait à charger le minerai dans les wagons, et ensuite, la locomotive, quand le wagon était plein, l'enlever et en ramener un autre qui était vide. Voilà Maud, tu connais l'histoire de la mine. Maintenant, c'est à toi de la transmettre. Merci papy pour cette fantastique histoire. L'association a été très heureuse de s'associer à votre initiative, c'est-à-dire de préserver cette mémoire des mineurs de fer de Lorraine. D'ailleurs, une grande partie de notre vie a été consacrée à ça, c'est-à-dire créer une association qui gère et qui, préserver la mémoire des mineurs de fer de Lorraine. Sans notre initiative, les mineurs de fer de Lorraine eût été oubliés, parce que c'est vrai que quand on parle de mineurs, on pense à mineurs de charbon, mais les gueules jaunes, les mineurs de fer existaient. Et donc il fallait absolument préserver. Et nous l'avons fait dans un milieu naturel, dans une véritable mine de fer. Donc on a donc un musée ici en pleine galerie, et nous avons un deuxième musée à Aumès qui justement traite des mines à puits. Ici, mine à flanc de coteau, à Aumès, mine à puits. Et nous sommes ouverts pour les visiteurs, et les visiteurs donc doivent connaître cet aspect important de la Lorraine et des mines de fer de Lorraine.